Is something wrong? It's just that my friends made me the most beautiful dress, but my stepmother and stepsisters ruined it, and I was so looking forward to the ball. Darkness always finds a way into a wounded heart. You have to be strong. Strength of heart will carry you through the hardest of trials. But Unversed! Et voilà, salut tout le monde, c'est Volk, et donc on se retrouve pour le début du monde de Cendrillon, on commence directement en fanfare. On se fait directement agresser dans tous les sens. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, je me suis équipé de la nouvelle teammate que j'ai obtenue. En off, je suis allé chercher le dernier coffre qui me manquait dans le monde de la Belle au Bois Dormant, et je suis allé chercher ceux de la contrée de départ, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et c'est à peu près tout. Donc j'ai pris les faire allumer. Dans la contrée de départ, j'ai acheté au Mog la commande soin, qui va être plutôt utile. Donc là en fait j'attends pour le moment que les autres techniques dont je suis équipé level up pour que je puisse m'en équiper, pour que je puisse mettre soin directement. Là ça va être assez tendu. Ceux-là je les aime pas du tout. C'est pas bon. C'est passé, c'est bon. C'était relativement tendu pour un début là. En bon, comme quoi le niveau de combat a pris que un point, mais j'ai pris relativement plus cher déjà. Strength of heart is important, but that's not all you need. There's nothing left to believe in. Nothing. Nothing, my dear? Oh, now, you don't really mean that. Oh, but I do. It's just no use. Nonsense. If you'd lost all your faith, I couldn't be here. And here I am. Oh, come now, dry those tears. You can't go to the ball looking like that. Ball? Oh, but I'm not. Of course you are. But we'll have to hurry. Now, what were those magic words? Oh, yes! Bibbidi-bobbidi-boo! Yippee. Dream come true. Yes, but like all dreams, I'm afraid this can't last forever. You'll have only till midnight, and then on the stroke of 12, the spell will be broken, and everything will be as it was before. Yes, I understand. Allez, ciao, fin du monde, on se casse. Non, ça aurait été trop beau, évidemment.
Youp la boum. Her heart was full of light. Why didn't I see it? What did you do? I can hardly tell she's the same person. Who are you? Tara. Tara, in your heart, do you believe that dreams can come true? I do. But I also believe you have to make an effort to make them come true. Yes, of course. But sometimes just believing in dreams is easier said than done. Cinderella believes her dreams can come true. I wanted her to see that she is right. So that's what made her shine. Faith in her heart that anything is possible. Where did she go? To the royal ball at the palace. Go, and when you see her dancing, you know that she believes, and that will help you to believe too. Si je peux me permettre, on fera juste un léger détour, étant donné qu'on est encore à la maison. Je vais récupérer les coffres qui est ici d'abord, si ça dérange personne. Si je peux y aller, parce que... Ouais, si, c'est bon, ils m'ont pas bloqué l'accès, c'est... Je peux le faire. Niveau technique, j'en suis où? Ah, Morphée est à fond. Hop, soin. Tac, on récupère les HP. Et on se fait agresser. Foutez-moi le camp. Ouais, c'est fini les conneries. Fait mal. Ombre Sonic niveau 3. J'ai pas eu le temps de voir là ce que c'était. Juste la parade. Ah, orage. Nouvelle commande de visée. Alors, bon. Les naissants, du coup, les nouveaux, on s'en fout. Trésor, on s'en fout. Album stickers. Bon, j'ai envie de dire, on s'en fout aussi, mais. Faut bien le faire. Ouais, vous avez obtenu cristal vibrant. Super. Est-ce que c'est niveau max? Non, il est pas du tout au max. Je vais attendre. Disco, voilà, celui à fond. Donc du coup, je vais prendre... les stocks lycée. Mixage, est-ce que je peux faire quelque chose? Taille gelante, ouais, non. Non, ce disco blanc est classé, ça avait fait glacer plus, donc je vais attendre que le glacier finisse. Non, on va garder les techniques séparées pour le moment, ça ira très bien. Hop, une petite save au passage. Alors là, je sais pas si je vais combattre tous les ennemis présents. J'hésite encore parce que ça va être un petit peu long sur la place. Surtout qu'il y en a certains que j'aime pas qui font relativement mal. Je vais voir, je vais essayer de faire un essai pour voir comment ça se passe. Et si. Bon, si ça va bien, c'est bon. Hein. Continue. Si je vois que je galère un peu trop, j'insisterai pas plus. Parce que là, sur cette place, il y a du monde à combattre normalement. Normalement. Vous êtes où? Bon, bah avec la cinématique, y'a personne. Bon, moi c'est réglé, hein. Basta, affaire suivante.
Ah oui, bah là, oui, la cour du palais, là, par contre. Là, il y a du monde. Récupérer Somni, à ma foi. Oups. Ça va un moment, je peux taper ou... Saloperie. Allez, voilà. Ouais, eux ils me font délirer avec leurs bottes. Une sorte de petit monstre directement dans une botte. Alors en soi ils peuvent être assez violents. Mais ils me font bien délirer quand même. Au niveau design ils sont assez trippants. Voilà, ça a été un peu rapide, donc je pense pas que vous ayez pu les voir comme il faut, mais on en verra d'autres. La carte de la zone. Attends. Ah, le ficelage, super. Tais-toi. Aïe. Donc en fait ceux qui sont dans la botte ils ont tendance à mettre des grands coups en sautant, mais ça se part, mais ils peuvent aussi eux-mêmes se mettre en défense. Ils rentrent dans la botte, je veux dire dans la chaussure, quelque chose passé pareil. Et pendant qu'ils sont à l'intérieur en fait ils sont complètement invincibles, on peut pas les tuer comme ça. Dans la fontaine. C'est un peu paradoxal de croiser des ennemis de feu dans une fontaine carrée. Les ennemis qui nous mettent les ennemis de glace, je peux comprendre, ou même ceux de foudre, du coup ils ont un avantage, mais bon, ceux de feu. Allez, donc là on a les ennemis un peu particuliers. Putain, mais viens là. Bon, pas grave, eux c'est pas vraiment des ennemis. Ils sont plus là pour nous donner des objets. Enfin des objets, voire même des composants si je peux dire, pour créer des glaces en fait. Parce que dans le monde de Disney, qu'on verra un peu plus tard, donc bon, petit spoil de monde, mais on s'en fout, on va pouvoir créer des glaces qui nous permettront de passer directement d'un style de combat à l'autre. Bon, ça c'est pareil en temps normal, je m'en sers jamais. Not here too. Zantetsuken. C'est une technique que Terra pourra utiliser plus tard. I've met you before. I'll take care of them. You wait right here. Please, may I go with you? I so want to get to the ball. All right. But stay behind me, or you'll get hurt. You're not worried? Didn't you tell me it was important to stay strong? Oh. I guess I did. So, you ready? De tard dans sa gueule, pédige! Laissez-moi venir, je veux aller au bal. Putain, ta vie est passionnante, ma grande. Bon, donc là en gros, il va falloir qu'on protège Cendrillon jusqu'à la salle de bal. Ça promet. Le premier boulet du jeu. Avec de critique, ça va simplifier les choses là. Là par contre, j'aimerais éviter de la perdre quand même. Voilà. Parce que, oui, quelque chose que j'ai pas précisé sur les styles de combat, c'est qu'on peut les perdre. Parce qu'une fois que la jauge est vidée, on repart à zéro. Ça peut paraître logique, mais je l'avais pas précisé.
Tout comme quand elle est pleine, du coup on balance le coup de grâce, donc on peut la laisser se vider pour continuer de profiter du bonus. Ça va être un peu compliqué. Ça va, déstresse. Reste tranquille. Et bon, on y est presque, ma grande. Allez, salle suivante. Bon, heureusement, il n'y en a pas 40 des salles, même si c'est un palais. Là, ça fait le couloir, on fait le hall et on arrive directement à la salle de bal. Une fois que j'ai utilisé une commande de visée, faut que je me plante. Ouais, enfin, avance pas trop quand même, ma grande, hein, y a du monde derrière. Oh putain, terminus, tout le monde descend. L'autre, elle s'en fout complet, hein. Je sais qui est passé. Quand je te dis d'attendre, ma grande, c'est pas pour rien. De diamant, ça reste un petit peu barbare quand même. Bon, c'est con qu'on n'ait pas le temps de fouiller parce que là je sais qu'il y a des coffres à récupérer. Un petit halo de lumière, ça fait pas de mal. Bon, ça pique un peu les yeux, mais ah voilà, contre-puissant, enfin. Ah, ça va grandement aider. Bon, c'est bien de pouvoir parer, mais c'est mieux de pouvoir contre-attaquer. Oh, thank you, Tara. Thank you, Tara. Je gueule lui à chaque fois, putain. Maybe just believing is enough. But who is she, mother? Do we know her? Well, the prince certainly seems to. I've never seen her before. Nor I. But she certainly is. Wait. There is something familiar about her. Unversed. Tell me, how do I get up there? Well, there is a passage beneath the foyer staircase. Thanks. Merci, au revoir. Comment je peux atteindre le balcon? T'as une porte en bas des escaliers. Ciao! Bon, je fais un petit détour, comme j'ai dit, je récupère vite fait les coffres.
Putain, là on se paye le thème en boucle. Ça va me faire vriller les tympans. J'ai failli oublier. Hop, le contre, s'il vous plaît. Alors, il stocke glissé niveau 3, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai? Gravité nulle, fist smash, somni, stop, ouais. Ouais, bon, la passe de glacier, je veux bien prendre gravité nulle. Stock glissé, par contre. Est-ce que je peux en tirer quelque chose? C'est génial! Non, du coup je vais garder le. Je vais attendre que Glacier Plus soit à fond. Je vais l'associer avec le Glacier Standard pour faire un Glacier X. Normalement c'est censé faire un Glacier X. Donc du coup toi, je vais t'enlever, je vais garder Disco Blow, j'aime bien. Et. Ouais, non, puis le reste c'est bon, ça, on va laisser lever le PPPR. Ouais, voilà, donc les différents objets que j'ai pu obtenir des monstres d'avant. Hop, rapport. Record, mais on s'en fout. Les bottes, on s'en fout. Commande. Comme on a vu, commande, il y en a une chien récupérée. Hein. Putain, d'ailleurs, je viens juste d'apercevoir l'expérience. Je vais bientôt le développer. C'est bien ça, juste avant le boss. Ah, bon, bah. Tant qu'à faire. Hop, on va prendre l'autre, on va le faire développer. Ici il n'y a pas de coffre, c'est bon. Donc je vais pouvoir aller à la porte. Ah non, un petit coffre ici. Tac. Potion, oui, ça c'est bien. Alors oui, pour le moment dans mes commandes je garde soin et potion. Parce qu'on sait jamais. Bon, même si le premier monde je l'ai fait sans trop de problèmes, le boss aussi. Ce sera pas toujours le cas. Hein. Déjà on a bien vu, les monstres ont tendance à faire relativement plus mal. Et plus ça va avancer dans le jeu, évidemment, plus je vais en prendre dans la tronche. Et les boss vont être un tantinet violent, hein. Ça je vous le cache pas aussi. Level up, j'ai pas vu, je crois que c'est la force qui a augmenté. Voilà. Et ça par contre c'est bien, le compte de Terra, c'est nombre de chocs. Du coup ça touche tout le monde et c'est vraiment très pratique. Pour Ven ce sera plus un petit combo devant lui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il va faire une sorte de charge en tapant avec sa keyblade. Ça va surtout frapper l'ennemi devant lui ou s'ils sont vraiment tassés les ennemis. Et à quoi c'est une explosion carrément. C'est son bouclier qui explose en sorte et du coup tous les ennemis autour d'elle prennent des dégâts. Voilà, ça c'est fait, j'ai pas vu de coffre. Et ouais, la contre-attaque ça change la vie. Honnêtement, ça change la vie. Ah, foudre, c'est bien ça aussi. J'ai pas une technique qui est au max. Non, dommage. Foudre, j'aime beaucoup aussi, c'est bien. Alors, boutique, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il me donne? Full semi-stop, ouais. Contre. Stop glissé, ouais. Monté électrique, non. Glacier, j'en ai un. Glacier, plus foudre. Soin, j'en ai déjà. Enfin, soin, à la limite, je peux en reprendre pour avoir du soin plus et du soin X. À la limite. Comme ça, c'est fait. Allez, hop. Une petite sauvegarde parce qu'il me semble qu'après c'est le boss. Si je me souviens bien. Hop.
T'as vivement que je le finisse ce monde parce que je peux plus me l'entendre la musique là. Musique comme ça répétée en boucle là, ça non, je peux pas. Enfin, vous allez me dire c'est ça dans chaque niveau, mais là c'est là non. C'est là j'encaisse pas. On s'arrache. Down here. Guards? Guards! Where could they possibly be? I'll take care of this. Si, du moins de s'en charger. Essayer de péter un peu ses instruments. Putain. Dégage. Voilà. Quoi, le contre est dévastateur. Ah bien ça. Un petit coup de poussière de diamant, ça va pas faire de mal. Allez, un petit strike. Ça va, finalement je m'en sors pas si mal. Allez, ciao, HP max augmenté encore et un emplacement supplémentaire dans mon jeu de compétences. Très bien, parfait. De toute façon Terra c'est un peu ça, ça va être un sac à PV et une brute. The guests were just starting to enjoy themselves. Ah, mais y a personne là. Well, don't give up just yet. Oh! Tell me something. Have you always had a problem around here with those monsters? No. I believe they began to appear shortly after a boy in a mask arrived in our kingdom. Those that saw him said the monsters obeyed his every command. A boy in a mask. Do you know where he is now? Well, no. I don't believe anyone has seen him since then. I see. Oh, my goodness. It's midnight. Yes, so it is. But why? Goodbye. Wait, come back. Please come back. I'm sorry. Ah, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mademoiselle, señorita, wait. Aqua! Terra! Terra, Ven ran away from home. What? I think he left to go find you. Do you have any idea why? No. Actually, just before I left, he tried to tell me something. I should have listened to what he had to say. Oh. So, did you manage to locate Master Zaynort? No, but it seems he's looking for pure hearts, filled with light.
pure hearts, filled with light. All I can tell you is that his search hasn't taken him here. All right. I'll stay and see if I can find more clues. Okay. The prince is in the ballroom ahead. He might have some answers. Thanks. Aqua. You still have the same dream? Well, yes. There's this girl here. Her name is Cinderella. She made me realize how powerful it is just to believe. No matter how impossible things seem, a powerful enough dream will always be enough to light the darkness. Mm. If you see her, give her my thanks. Will do. The boy in the mask who is leading the Unversed. Who is he? Does he have anything to do with Master Xehanort's disappearance? Et un garçon masqué, pour le moment, on en a vu qu'un, je rappelle. Hein. Ah, coup de minuit, nouvelle keyblade qui permet d'asséner des coups critiques plus facilement. Pourquoi pas? Bah ouais, une bonne chose de faite. Je pense que j'ai dû rater des coffres par contre. Palais derrière chasse aux commandes débloqué. Oui, non, mais ça on s'en fout. Comme j'ai dit, chasse aux commandes. Basta. Ouais, 80% des trésors. Bon, bah j'y allais chercher en off comme j'ai fait tout à l'heure. D'accord, d'accord. Et bah du coup. Ouais, non, je vais quand même rester ici parce que je vais chercher les coffres en off. Vite fait. Et donc, fin du palais des rêves. Du coup, on n'y reviendra pas. Hein. Comme j'ai dit, on fait qu'un passage sur les mondes. Et donc, pour la prochaine vidéo, nous serons directement dans la forêt des nains. Honnêtement, je suis pas fan du monde, hein, je le cache pas. Blanche-Neige, j'ai jamais été fan, en fait. Donc, bon, tant pis, hein, il faut passer par là, je le ferai, hein, j'ai pas le choix. Mais, voilà, je suis pas fan, c'est pas terrible. En plus, ça va être le merdier, etc., donc, bon, il va falloir s'accrocher un peu. Allez, j'en dis pas plus, je vous dis à la prochaine, donc, pour la forêt des nains.